Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J.Raming, nos chaînes officielles de l'engagement, salut à vous qui êtes branchés sur la chaîne, la page Facebook J.Raming. Bien évidemment, je vous salue parce que vous faites un effort considérable, vous fourmis magnants, pour que cette page puisse tenir malgré les multiples attaques comme on en a vu en masse samedi. Mais en envoyant vos cœurs, ça a permis à ce que le direct aille à la fin. C'est ça votre mission, faire que le direct puisse aller jusqu'à la fin, que nos ennemis ne puissent pas crier victoire parce qu'ils ne veulent pas qu'on détaille ce qu'ils cachent dans l'obscurité, ce qu'ils font dans les couloirs de la mort et ce qu'ils font contre vous. Alors, nous sommes là pour des séances d'exorcisme, pour que ces grands sorciers puissent être mis à nu au milieu de la cour. Au milieu de la cour également, je salue tous ceux-là qui sont les fans des Fourmis Mayans, la page Remingono, fan, sans pour autant oublier l'autre page de secours Remingono, les plus beaux proverbes d'Afrique. Et bien sûr, à vous qui êtes aussi sur TikTok, vous excuserez si parfois vous ne recevez pas tous les directs, mais en différé, vous les avez, ou tout au moins, vous avez toujours quelques exclusivités de ce côté-là. Eh bien, pour ça, j'ai dit, c'est souvent l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. Eh bien, installez-vous, j'espère que vous serez là, comme j'ai dit, à batailler, à cliquer, toujours à mettre j'aime, ne pas seulement rester à la fenêtre. Ah oui, parce qu'on a peur d'être vu, parce qu'on a peur d'être repéré. Mais non, ce n'est pas moi seul qui vais venir sauver le monde entier. C'est vous également. Je ne suis que la voix des sans voix. Et si cette voix ne peut pas être partagée par vous, si vous ne pouvez pas la liker, si vous ne pouvez pas la partager sur vos murs, sachez que vous êtes dans le camp de la lâcheté. Parce que ce n'est pas une seule personne qui constitue une armée. C'est un groupe. Donc sachez-le, nous sommes les Fourmis Mayans. Et avec vous, je compte sur vous pour que le message puisse passer et que certainement nous puissions enfin être libérés de ces monstres, de ces sangsues qui sont installés à la tête de nos États. Allez, c'est parti. Il y a des hommes si intelligents qu'on a l'impression que rien ne peut plus les intéresser. Cette phrase qui a été prononcée par Honoré de Balzac peut se justifier aujourd'hui avec le cas de Alain Foucault. Au sommet de sa gloire, l'une des personnalités les plus connues d'Afrique, adulée d'une popularité inégalée, côtoyant tous les chefs d'État, pas comme ami, mais comme intervieweur, et surtout les regardant droit dans les yeux, posant les questions les plus embêtantes. Un courage, un professionnalisme et surtout un niveau de culture inégalable. Alain Foucault aurait pu dire, je vais rester là à vie comme certains chefs d'État aiment s'accrocher au pouvoir, se disant qu'ils n'ont aucun remplaçant. Mais lui,
Il a dit, Radio France Internationale et moi, c'est terminé. Depuis l'annonce de ce départ, beaucoup de supputations, beaucoup de désinformations, beaucoup d'intoxications ont circulé. C'est avec un cœur distillant d'angoisse, d'amertume, de douleur que j'ai accueilli cette nouvelle, que j'ai d'ailleurs refusé de partager sur ma page ou sur ma chaîne. Parce que, au fond de moi, je ne m'attendais pas à une telle mauvaise surprise. Pascal Lanfoka avait encore tous ses atouts et surtout était devenu l'icône, la légende. Et même cette voix qui réveillait les consciences, cet électron libre qui était dans cette maison et qui, lorsqu'il devait aller à l'antenne, disait la vérité, ses pensées crûment, toutes portes ouvertes, sans regarder qu'on pourrait peut-être tirer sur lui, ou qu'on pourrait peut-être le mettre dans les placards. Alors Foucault n'était pas un tocard. Alors Foucault plutôt, c'était celui-là qui faisait la fierté des RFI. Celui-là qui amenait l'audimat. Et celui-là qui était le journaliste le plus complet. Politique, Alain Foucault. Économie, Alain Foucault. Culture, Alain Foucault. Et même dans le sport, on trouvait Alain Foucault. Carrière bien remplie, mais qui n'est pas encore finie. Rien qu'en lisant le communiqué, c'est là où il y a cette lueur d'espoir qui finalement a fait que je reprenne parole. Parce que ce n'est qu'une étape d'une vie. Parce que Alain Foucault, après plus de 3 décennies à RFI, rédacteur en chef, producteur, concepteur de programmes hors normes, Alain Foucault restera à jamais écrit dans l'histoire de RFI, puisqu'il a écrit l'histoire et il a écrit la mémoire. Beaucoup de mémoires à travers ces émissions si fouillées où il allait, par exemple, en ce qui concerne certains documentaires, que ce soit en audio ou en vidéo, on vivait cela comme un film, avec sa voix comme une véritable cathédrale sonore, avec ses tremolos sidéraux montant, descendant, et surtout sachant varier les intonations vocales. Cette voix d'Alain Foucault faisait trembler. Et cette voix d'Alain Foucault faisait trémousser. C'était de la musique, c'était du journalisme artistique. Alain Foucault, c'était de la cinématographie radiophonique. Parce que avec lui, on pouvait l'écouter à vie sans se rendre compte que 30 minutes, 50 minutes sont déjà finies et vous voulez toujours écouter, suivre Alain Foucault. Des médias d'Afrique,
je devrais d'abord lui rendre hommage. 16 ans. 16 ans à faire une émission quotidienne. Et surtout, à faire contribuer toute l'Afrique. Alain Foucault avait un slogan et surtout avait toujours un petit piquant en disant les grands médias internationaux ont des grands moyens et imposent leur opinion. Mais les journalistes africains, bien que n'ayant pas aussi de facilités au niveau des moyens, ont cependant une vision. Et Alain Foucault nous a donné des noms. Alain Foucault m'a donné un nom. Je n'étais pas seul. Mais lorsqu'il arrivait à RFI, Alain Foucault, comme il a toujours dit et comme il a conclu, que l'histoire ne doit pas être seulement l'histoire de la chasse, ne doit pas seulement être comptée du côté du chasseur, mais aussi peut-être du côté des gibiers que nous sommes. Alain Foucault a donc coloré l'antenne de RFI. Après avoir été à France Inter, après avoir été à Europe 1, après avoir été même à TF1, Alain Foucault est finalement arrivé avec un concept authentique, original, non seulement sur les archives d'Afrique, mais par la suite, il nous a permis, nous qui étions dans le continent noir, qui écoutions RFI, ne pouvions même pas rêver qu'un jour on pouvait être là. Eh bien, Alain Foucault nous a tendu la main. 1998, Alain Foucault s'intéressait déjà à moi. En 99, Alain Foucault, alors que j'étais directeur de Radio Sciences et que je présentais l'émission Condré Show et particulièrement la rubrique Coup Franc, Alain Foucault m'appelle. Il me dit, Jip-moi, je voudrais travailler avec toi. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, Frangin. Tu vois, ton émission, ta rubrique là, voilà, Coup Franc, si tu peux me réduire ça, trois minutes. Tu sais, tu es souvent long. Tu essaies de faire un maximum d'efforts comme un éditeur et tu m'envoies ça. Je tremblais. Une rubrique qui faisait 40 minutes. Comment la réduire en 3 minutes chrono ou 2 minutes et poussière? Je m'étais donc lancé dans cet exercice où Alain Foucault, dès la première écoute, me dit « Réduis encore. C'est bon, l'attaque est bonne. Et puis, cherche quelque chose d'original. » C'est ainsi que mes éditos, jusqu'à aujourd'hui, commençaient par une citation et finissait par une citation. Deuxième essai, Alain Foucault avait annoncé en grande pompe, je vais vous présenter Jip-moi Remington, langue serpentine, langue vipérine, langue assassine, langue mutine, langue cortine, de radio-télévision Sciences. Derrière mon transistor, je grelottais. Et bam, mon édito, je l'écoutais à RFI. Par la suite,
l'info comédie qu'il faudrait que je lui envoie des documents pour que je puisse être rémunéré par RFI. Alors, il faut quand m'écouter depuis. Je ne pouvais pas me rendre compte. Bien plus, il y avait un aîné qu'on appelait Jean Atangana. Il était à la CRTV, au poste national, et faisait une émission de grande audience, dimanche midi. Alors, Foucault n'avait donc pas besoin d'un autre éditorialiste au Cameroun, puisque Jean Atangana, c'était déjà un grand cerveau. Dans chaque pays, Alain Foucault choisissait un éditorialiste dont le très virevoltant Sacré Sédou. Paix à son âme, qui avait aussi un style particulier. Ailleurs, on avait beaucoup de difficultés à trouver des éditorialistes. Mais on couvrait l'Afrique. Nous étions à peine 10 pour l'émission Médias d'Afrique. Parfois faisait passer ça Jean Atangana, mais souvent, moi, minimum 3 fois sur les 5 jours de la semaine. Ainsi, au lieu d'être connu à Yaoundé, on me connaissait déjà à travers l'Afrique et à travers le monde. Ceci m'a encouragé encore à beaucoup travailler, à beaucoup me cultiver, à beaucoup m'incruster de la politique internationale. Parce que il fallait rendre le papier de Médias d'Afrique. Médias d'Afrique est mort. De la même façon, Alain Foucault m'appelle. J'étais déjà en France. C'est Alain Foucault qui repart fouiller mes éditos que je faisais dans la maison des journalistes où j'ai d'abord résidé. Et finalement, à la maison des journalistes, j'avais demandé que la radio en ligne, que je devais continuer pour ne pas perdre la main à faire les éditos. Alain Foucault ayant écouté ça, il m'a dit, Frangin, tu vas recommencer ces éditos. Et c'est ainsi que c'était devenu Jipo Remingonon de la maison des journalistes. C'est grâce à ces éditos sur RFI que justement iTélé va me découvrir. Les éditos qui à la fois étaient sur RFI et aussi sur le site de la maison des journalistes. Si je m'en vais donc faire des tests à iTélé et que je suis retenu, c'est parce que j'avais déjà un CV. C'est parce que Alain Foucault m'avait déjà lancé. C'est parce que Alain Foucault m'a donné une place dans le paysage médiatique. C'est lui qui m'a ouvert les portes, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou en France. C'est à travers justement iTélé que justement, parce que iTélé avait déjà aussi suivi, que les autres vont s'aligner. S'ils ne me tendaient pas la main, peut-être je serai encore quelque part en Bombay. Peut-être je serai oublié déjà dans une temps, parce qu'il faut se dire, ce n'est pas seulement sur le plan professionnel que Alain Foucault m'a sauvé.
Alain Foucault m'a sauvé. Même sur le plan de ma propre vie. Lorsque le ministre Jacques Famondongo décide de me terminer, de m'achever, il est ministre de la communication. Première des choses, il demande que je sois interdit d'exercer la profession de journaliste. Il va encore manigancer avec d'autres membres du gouvernement pour que je me retrouve en prison. Face à ces épreuves, Alain Foucault avait contacté Famondongo. Lui avait dit que tu ne peux pas, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça à Jipone Bingono. Même si c'est une sanction, ça peut être provisoire. Et puis, vous le réhabilitez. Qu'a-t-il fait? Famondongo et les autres étaient décidés de finir définitivement avec moi. Le syndicat des journalistes du Cameroun m'avait abandonné. Aucun communiqué. Alain Foucault va saisir RFI et aussi Reporters sans frontières. C'est ainsi que l'affaire commence à faire du bruit. Pas le bruit de Ali Bongo, mais le vrai bruit. Puisque moi, je n'avais rien volé. Je n'avais jamais rien dirigé. Je n'avais fait que révéler les détournements et surtout tout ce que Jacques Famondongo faisait avec, bien évidemment, cette rocambolesque histoire de la CRTV sur satellite où il avait volé des milliards avec beaucoup d'autres ministres. Avec cette histoire où ils étaient en train de livrer des petites filles et des petits garçons dans la dépravation de mœurs. Il m'en voulait. Mais derrière, Alain Foucault surveillait. Et quand Maître Kérémouna venait me voir, il me disait, en prison, ne t'en fais pas, tu vas sortir de là. Alain Foucault se bat, je me bats, tu sortiras. Et c'est ce qui est arrivé. Grâce à leur pression. Sinon, je serais mort en prison, comme les Bibingota. Sinon, beaucoup d'entre vous ne m'auraient jamais connu. Et c'est ainsi qu'il fallait quitter le Cameroun, clandestinement, alors que j'étais interdit de sortir du territoire. J'étais arrivé. Je n'avais pas un centime dans mes poches. Ce sont mes frères qui m'ont tendu la main. Alain Foucault et Amobe Mbeki. Me disant, Frangin, tu es déjà arrivé là, ce sera difficile. Mais nous allons te soutenir. Même s'il faut un peu d'argent, on va t'aider. Amobe Mbeki a été le premier à partir de RFI suite au plan social. Puis il est revenu 4 ans après pour France 24 où il présentait une émission mais n'était plus employé de RFI. Certaines douleurs que je ne pourrais pas totalement raconté parce que en même temps c'est des hommes qui ont conservé la dignité. Lorsque Alain
Foucault a aussi mis fin à Média d'Afrique. Le 28 octobre 2010, et qu'il m'avait demandé de témoigner, de faire une dernière émission, je me suis mise à pleurer. Je ne retrouvais plus de mots. Je n'avais plus de courage. J'étais effondré. Mais Alain Foucault, il rigolait, il souriait. Presque nous rappelant ce que Anémone disait, je cite, il faut savoir quitter les choses à temps. C'était une mort. Et voici une autre mort. Tout comme je puis vous dire, je n'ai pas trouvé la force à pouvoir rendre immédiatement l'hommage à ce grand monsieur. Alors, Foucault, c'est l'humilité. Mais surtout, c'est un homme exceptionnellement doué, super bien formé, rodé, qui pratiquement capable de tout faire. Alain Foucault, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour le prochain. Il aurait pu, comme je le dis souvent, prendre un sawa, puisque sa mère est sawa, ou son père, Bamileke. Mais non, la plupart de ses amis viennent de l'autre côté. Alain Foucault a lui a quitté le Cameroun après son baccalauréat. Et il faut se dire que déjà il avait eu le concours de l'ESIJ qui est devenu aujourd'hui l'ESTIC. Son père était officier de police. Il pouvait dire je vais devenir parce que tout s'achète. Ou alors, lorsqu'on est le fils d'eux ou d'eux, il aurait pu bénéficier de ça. Mais il n'est pas entré dans la formation camerounaise. Il a choisi de venir en France, malgré le fait qu'il soit admis. C'est vrai qu'il avait déjà aussi connu cette douleur, avec la perte de son père. Mais quand il est arrivé, il a été brillant parce qu'il a fait les études de sciences politiques, puisqu'il a d'ailleurs été à Sciences Po, avec des gens comme, je ne vais pas les citer, ou alors Pascal Pro, qu'on voit régulièrement là. Et alors Foucault, c'était le haut niveau. Mais c'est eux qu'on voit beaucoup plus s'afficher dans des médias en France. Alors Foucault, par la suite, est revenu non seulement dans le journalisme, mais également au niveau de la réalisation. D'où d'ailleurs des documentaires d'une qualité légendaire. Regardez tout simplement seulement les documentaires sur la vie et la mort de Thomas Sankara, qu'il a eu à produire en deux DVD de 6 heures de temps. Un travail de fourmi, un travail incroyable de recherche et surtout la façon qu'il vous conte l'histoire. Et ce n'est pas la seule chose qu'il a eu à faire, puisque tout Africain a pu voir les dessous des arrivées au pouvoir, les chutes, les déclins, et aussi tout ce qui se passe souvent dans les arrière-fonds des palais. Que ce soit pour Eyadema, que ce soit pour Kabila, Alain Foucault a toujours eu à relater les faits.
allait restituer. Ces faits qui ont souvent été prostitués, qui ont souvent été déformés. Et d'où d'ailleurs le grand combat d'Alain Foucault. Et peut-être ce combat, diraient certains, était devenu, était en déphasage avec la ligne éditoriale de RFI. Puisque certains pourraient voir que lorsqu'il y a eu coup d'État au Mali, Alain Foucault, bien évidemment, est parti interviewer Assimi Goïta, tout comme celui qui a couru pour interviewer aussi l'homme fort de la Guinée, Doumbouya. On pourrait donc dire que ces prises de position n'étaient plus en adéquation, n'étaient plus en bonne sensibilité avec peut-être la maison. Et que peut-être c'est pour cela que Alain Foucault quitte maintenant RFI. Que non. Que non. Tous ces événements viennent après la décision d'Alain Foucault. Alain Foucault voulait déjà quitter RFI. Et il y a plus d'un an, Alain Foucault d'ailleurs avait demandé son départ. Mais compte tenu du fait que c'est une personnalité importante et qu'il détient quand même des émissions clés, eh bien, il a été retenu. Mais Alain Foucault n'était presque plus là puisque ceux qui le suivent pouvaient constater qu'il allait de plus en plus, qu'il voyageait et parce que il s'était longtemps aussi sacrifié. Ceux qui ont suivi Alain Foucault savent déjà qu'en 2021, lui qui n'était pas présent dans les réseaux sociaux, est parti créer sa page, sa chaîne YouTube, sans pour autant oublier Facebook. Parce que Alain Foucault anticipait et il a aussi compris que de plus en plus, c'est le digital qui maintenant revient devant. C'est quelqu'un qui a toujours su se remettre en question, qui a toujours su s'engager, mais aussi à s'adapter. C'est quelqu'un qui regarde l'actualité et qui l'anticipe, qui voit ce qui va arriver. C'est pour cela donc que son départ aujourd'hui n'est pas un coup de tête. C'est quelque chose qui a été méticuleusement élaboré, préparé. Et il dit, j'ai décidé, j'ai choisi de partir. On ne l'a pas poussé, contrairement à d'autres, qui, lorsqu'ils sont accrochés quelque part, ils ne veulent plus penser au départ. Ils ne veulent plus laisser de place à qui que ce soit. Ils sont tellement et se disent indispensables qu'il ne reste que là. Alain Foucault, ce n'est pas ça. Parce que même si vous partez avec Alain Foucault à la pêche, il risque de vous démontrer qu'il est un très bon pêcheur. Peut-être même, vous allez vous rendre compte que quand il interviewe Samuel Eto'o, qui maîtrise terriblement les arcanes du football. Et bien plus, Alain Foucault, c'est quelqu'un de jovial. C'est quelqu'un qui, croyez-moi, lorsqu'il arrive dans son pays natal, le Cameroun, il va dans un cabaret qu'on appelle le Sénat. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vous ne retrouvez plus Alain Foucault journaliste, mais bassiste, chanteur. C'est un très grand musicien. Et même un producteur. Puisque des gens comme Coty François ou encore même à une certaine période, Petit Pays, Alain Foucault a voulu, les a produits. Alain Foucault, ah oui, beaucoup ne le savaient pas. Quand il joue à la basse ou quand il interprète Johnny Hallyday, Alain Foucault, c'est une giga méga webstar, parce que Belle Katobi nous raconte souvent. Cet homme-là, comme je vous l'ai dit, il ne se limite donc pas seulement à RFI.
Il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'Afrique. Je parle de l'Afrique, pas seulement le Cameroun, parce que regardez Alain Foucault. Certains ont dit qu'il était en train d'investir déjà au Togo, on l'a annoncé au Togo. Pour l'instant, je vous dis, à l'instant où je vous parle, et depuis son annonce, Alain Foucault est plutôt au Sénégal. Alain Foucault se trouve au Sénégal, où il forme d'autres jeunes, et non au Togo. Il est au Sénégal. Alain Foucault vous a annoncé son départ à la fin du mois d'octobre. Le 29 octobre, RFI mettra une autre grille de programmes. Je me réserve de vous donner déjà le nom de celui qui pourrait peut-être venir pallier le départ d'Alain Foucault. Mais, comme vous le savez, on ne remplace pas Pelé. On ne remplace pas Maradona. On ne remplace pas les icônes. On ne remplace pas les légendes. Alain Foucault, c'est un autre niveau. Celui qui a su porter haut l'Afrique, celui qui parlait haut, et celui qui réfléchit haut, et celui qui regarde encore plus haut. Je vais demander vous tous, qu'on applaudisse ce brave monsieur, Alain Foucault, qui, faut-il le dire, sera où? Vous voulez que je vous dise? Là, il sera. Bon, je ne dis pas encore. Mais je sais déjà. Vous savez ce qui va se passer? Je le sais déjà. Attendez tout simplement. Mais il faut dire une chose. Alain Foucault et RFI, c'était une histoire. Une histoire comme un couple. Où il y a les hauts, il y a les bas. Où il y a l'amour. Et parfois, là où il y a des déceptions. Et quand on ne peut plus dialoguer, on s'en va sans crier, sans insulter, sans diffamer, sans critiquer. Alain Foucault a remercié ses collègues, a remercié RFI, mais Alain Foucault ne va pas s'acharner contre RFI parce que c'est un homme noble, c'est un homme digne, c'est un grand homme. On ne quitte que ce qu'on a cessé d'aimer. Disait Henri de Monterland dans ses carnets entre 1930 et 1972. Il a quitté une maison, mais continue à aimer le journalisme. Et je vous invite à le suivre sur cette plateforme où il y aura des reportages, des chroniques, et tout ce qu'il sait faire de mieux, mais encore avec beaucoup plus d'allant et beaucoup plus de liberté. Cher ami, grand Alain Foucault, quant à moi,
Je n'ai pas besoin de te rendre hommage, comme certains préfèrent souvent quand on est déjà mort, encore que personne ne sait si c'est moi ou toi qui vas mourir en premier. Mais je te rends hommage et je te dis merci devant témoins, devant mes téléspectateurs, devant mes amis, devant ma famille. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour que j'entre dans ces beaux studios de RFI. Merci pour la défense que tu as souvent eu à m'accorder. Merci pour les conseils. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que tu m'as donné pour la vie et surtout cette expérience qui fait aujourd'hui que je sois un peu à côté de toi. Oui, Alain Foucault est grand. Il est très grand. Et pour aller jouer dans la cour des grands, il faut savoir courir. Courir dans le vide. Ne permet pas de gagner un match de football. Courir en désordre ne permet pas de gagner un match de football. Prendre des boîtes de courir ne permet pas de gagner un match de football. Prendre des joueurs dont on ignore parfois des clubs qui sont en méforme ne permet pas de gagner un match de football. Dans la cour des grands, les lions indomptables étaient toujours craints. Mais depuis un certain temps, à part un petit épisode où personne ne s'attendait, le Cameroun est parti remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. À part ce petit épisode, disais-je, le football camerounais est presque au creux de la vague. Qu'est-ce qui se passe donc? Et du coup, l'homme qu'on croyait être de la situation, avec son esprit du Hemblé, l'homme courage, l'homme lion, avec parfois cette tignasse qui faisait peur aux attaquants, eh bien, quand il est arrivé, on a beaucoup applaudi. Rigobertson était le Messie, d'autant plus qu'il avait déjà fait des preuves comme un véritable gagneur, comme un conquérant. Mais depuis un certain temps, on entend des grincements de dents et surtout de plus en plus une certaine levée de bouclier où certains sont d'ailleurs prêts à lui couper la tête, demandant carrément qu'il démissionne ou qu'il soit démis de ses fonctions. Après la défaite contre le Sénégal, on a donc vu que les Lions indomptables, qui venaient justement aussi d'être battus par la Russie, ont un bilan pitoyable depuis l'arrivée de Rigobertson sur les bancs. 20 mois où, à part quelques lueurs d'espoir, où on a vu les Lions indomptables se qualifier à Blida devant l'Algérie pour aller à la Coupe du Monde, ou encore ce beau match, ou plutôt cette victoire arrachée au Brésil à la Coupe du Monde, eh bien, À part ça, le néant absolu. Même les joueurs de reggae, les Jamaïcains, sont venus battre des lions. Même ceux qui n'avaient pas de nom, dont on ne sait même pas d'où ils sortaient, et ils sont venus battre les lions indomptables.
Ah oui, les lions indomptables, maintenant sans dents. Ou plutôt, des lions qui maintenant sont devenus édentés, qui ne font plus peur au gibier. Les lions du Sénégal n'ont pas eu à forcer. Les lions de Cissé ont broyé ceux de Rigobert Song. Et du coup, on commence à douter de ce que le pays des éléphants de Côte d'Ivoire nous réserve, alors que les lions indomptables ont pour mission d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Au regard de résultats, au regard de l'absence du fond de jeu, au regard surtout du nombre de buts encaissés, par rapport au nombre de buts inscrits, on est très inquiet. 16 matchs, 4 victoires pour 7 défaites et seulement 5 matchs nuls. Ça fait pleurer. Ça doit pousser des gens à s'interroger. Malgré le fait que des gens, jusqu'encore d'un certain optimisme, disent que oui, les matchs amicaux ne veulent rien dire. Puisque ces matchs amicaux, on n'est pas engagé et que tel joueur, comme le dit Rigobert Song, j'ai fait tourner l'effectif et puis il y a des joueurs qui étaient absents. Bien. Et du coup, ça donne l'impression que la CAN qui n'arrive bientôt qu'en janvier, là, eh bien, le Cameroun va retrouver son allant, son talent, son engagement. Mais on en a déjà vu d'autres qui se sont cassés les dents de la même façon. Chacun se rappelle justement de ce que beaucoup aujourd'hui peuvent qualifier comme un fiasco. C'était la Coupe du Monde 2010. Après avoir fait quelques matchs, eh bien, les Camerounais félicitaient Paul Owen, qui avait réussi à qualifier le Cameroun au niveau de la Coupe du Monde. Mais les Camerounais commençaient déjà aussi à être inquiets, avec la CAN en Angola. Paul Owen était arrivé et tout le monde se disait, c'est un grand sélectionneur. On va faire quelque chose à la Coupe du Monde. Ne regardez pas les matchs amicaux. Lorsque le Cameroun avait commencé à perdre. Mais sauf que, arrivé à la Coupe du Monde, le Cameroun, parce que Paul Owen faisait justement tourner l'équipe, comme Rigobert Song, parce que l'équipe n'avait pas de fond de jeu, comme les Lions de maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Le Cameroun est rentré, bredouille, bon dernier, au classement général. Et pourtant, on ne manquait pas de joueurs. Mais on manquait peut-être d'un sélectionneur qui puisse connaître, qui puisse mettre la musique en symphonie. On manquait d'un sélectionneur qui avait un certain charisme. On manquait d'un sélectionneur qui avait une vision nette de jeu. On manquait d'un sélectionneur qui, malheureusement, ne connaissait pas le continent africain. Rigobert Song connaît le continent africain. Il connaît encore mieux le Cameroun. Et lorsqu'il connaît le Cameroun, il sait comment ça se termine souvent avec les sélectionneurs qui n'ont pas de résultats. Il peut voir peut-être l'intermède de Thomas Nkono. Même quand on a mis des trios ou encore tout un collège, ça n'a pas marché. Ce
fois-ci, lorsqu'on regarde l'affaire des lions et tout ce que ça peut comporter aujourd'hui, certains commencent à dire « Rigobert Song n'a pas de niveau ». Est-ce vrai? A-t-il les diplômes? A-t-il des capacités? Je vais donc essayer de donner quelques informations par rapport à ça. Rigobert Song a effectivement obtenu ce qu'on appelle le brevet d'entraîneur de football. C'était le 10 avril 2014. Et il faut se dire que ce diplôme n'existe plus. Il a été remplacé par le brevet de professionnel, donc c'est l'équivalent. Rigobert Song a obtenu ce qu'on peut appeler la licence UEFA. La licence UEFA s'obtient en 7 mois. Mais les 7 mois, vous faites une semaine par mois. Donc, il a été à Clairefontaine. Il faut savoir que le diplôme donc de Rigobert Song a été validé par la Ligue de Paris. Et cette Ligue de Paris, dans le jury, il y a bien un directeur technique qui est camerounais. Ce directeur technique s'appelle Hervé. Attendez, je vais chercher son nom. C'est un Gabana. Son père était d'ailleurs ambassadeur. J'ai retrouvé le nom. Hervé Appy. Cependant, il faut savoir que ce diplôme ne vous autorise pas d'entraîner une équipe de première division. Parce qu'après la licence UEFA, il y a la licence, il y a UEFA Pro. Rigobert Song ne s'est pas inscrit dans UEFA Pro. Je dois dire que la licence UEFA seule, ça vous permet d'entraîner peut-être CFA 2, CFA, donc première, disons vraiment encore plus bas, jusqu'à peut-être même, on peut dire, troisième division. Les clubs amateurs, mais pas les clubs professionnels. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas entraîner un club professionnel. Vous pouvez entraîner un club professionnel, mais pour le diriger, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui a la licence UEFA Pro. C'est pour ça donc que vous voyez Rigobert Song avec son adjoint qui est français, Kevin, qui a cette licence. Sinon, si ce n'est que Rigobert Song sur un banc avec les lions, il n'a pas le droit. Parce que il doit d'abord s'inscrire dans UEFA Pro. Pour s'inscrire à UEFA Pro, c'est-à-dire c'est une formation d'un an. Mais cependant, ça coûte 40 000 euros. La formation. Et les places sont chères. C'est-à-dire que pour les Africains, par exemple en France, il n'y a que 10 places dont on sélectionne. Et pour qu'on sélectionne,
Il faut que vous soyez dans un club. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être avec ce qu'on peut appeler les anciens joueurs. Rigoberto, c'est un ancien joueur. Il peut bénéficier de cette formation. Peut-être qu'il va la faire un peu plus tard. Mais pour l'instant, il n'a pas eu à faire ça. Et bien sûr aussi, ça peut se faire en Afrique. Cette formation se fait en Algérie. C'est toujours aussi, on choisit 10 places. Bref, les places sont rares, sont chères et sont sélectives. Donc, première des choses, est-ce que Rigobert Song a des diplômes d'entraîneur? Je vous ai répondu, c'est-à-dire qu'il a le deuxième degré parce qu'il a fait par la suite ce qu'on appelle, il a fait ce qu'on appelle une formation spécifique. Et que cette licence, c'est-à-dire qu'elle a été validée par un autre jury avec un Camerounais. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres sélectionneurs qui n'ont pas plus que le diplôme de son. Par exemple, Aliou Cissé. Lui aussi, il est passé par la Ligue de Paris. Mais sauf que Aliou Cissé a eu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que il a été nommé en mars 2015. Le Sénégal n'avait pas des urgences, ne voulait pas des résultats immédiats. Le Sénégal était au creux de la vague. Donc, même chose, c'est l'adjoint d'Aliou Cissé qui couvre Aliou Cissé. Mais peut-être aussi, il peut être très très bon tactiquement. Lorsqu'on regarde cependant l'adjoint de Rigobert Song, on peut être content qu'il peut avoir de l'expérience. Mais cette expérience, parce qu'il a eu, peut-on le dire, auprès de Claude Leroy, qu'il a recruté en 2008, lorsque son adjoint est parti, Hervé Renard. Mais on regarde le parcours. Ils ont été où? En Mali. Puis ils ont fui de là-bas, ils sont allés en Syrie. Ça n'a pas donné grand-chose, puis ils sont allés en RDC. Et puis après RDC, ils sont allés où? Au Congo. Après le Congo, je crois qu'ils sont allés au Togo. Et c'est au Togo qu'ils se sont séparés en 2017. Ça n'a été que des échecs. À cette période-là, regardez, Claude Leroy, avec l'adjoint de son d'aujourd'hui, ça n'a pas donné de résultat. Et comme lui-même il s'est séparé à Claude Leroy, lui-même, il a tenté de signer certains contrats, il est reparti au Congo. Il a échoué là-bas. Il est parti, je crois, au Kenya. Il s'est échoué là-bas. Il est même reparti en Guinée équatoriale, signé pour 2 ans. Ça n'a pas marché. Donc, Rigobert Song n'a pas d'expérience. Et son adjoint qui le couvre, qui en fait est son boss au niveau de la formation, lui-même n'a jamais fait de preuve. Mais dites-moi, comment ça va marcher? Comment ça va marcher? Rigo, il est venu avec cette gnaque. Il est venu avec communicant. Quelqu'un qu'on adore, mais ça ne suffit pas. Je ne dis pas tout simplement que c'est parce qu'il n'a pas le diplôme UEFA Pro qui a un problème. Il y a d'autres qui ont ces diplômes, mais qui n'ont jamais été de bons entraîneurs. Être un bon joueur ne veut pas dire être un bon sélectionneur. On a pu le voir avec Diego Maradona. Qui était mieux que Diego Maradona? Mais avec l'Argentine, il a échoué. Qui était mieux en France que Michel Platini? Mais Michel Platini a échoué avec la France. Le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la désignation parce que Rigobert Song n'a pas eu le temps de s'imprégner d'être un adjoint. Il a été directement lancé dans le bain.
et pour des grandes compétitions. Or, aujourd'hui, ce qu'on demande à Rigobert Song, c'est de mettre un système de jeu. Il a des joueurs pendant combien de temps? Ils viennent à peine 4 jours. Quelle tactique est-ce qu'il peut mettre sur place? Voilà pourquoi est-ce que, avant de devenir sélectionneur, la plupart des entraîneurs font d'abord leur preuve sur les bancs de chlore. On peut même faire avec la deuxième division, la troisième division. On commence à entraîner au quotidien. C'est-à-dire, vous êtes en contact avec des joueurs, vous êtes en contact avec, vous essayez de mettre les tactiques sur place, vous voyez comment ça se révolutionne, vous voyez, vous affrontez des adversaires, vous voyez d'autres, comment ils font leur mise en place. C'est comme ça que ça se passe, le meilleur. Pas que directement, on se retrouve sur une équipe nationale parce qu'on veut devenir peut-être à l'UCC, qui, faut-il le dire, même quand lui-même est venu, ah non, les Sénégalais ont demandé qu'il parte. C'est juste que lui, il a récupéré le Sénégal quand il était totalement à terre. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun, qui est une très grande nation de football, qui a déjà 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il faut faire attention. Regardez Didier Deschamps. Oui, on va dire, il a fait ceci et cela, mais Didier Deschamps, on l'a vu à pied d'œuvre. Il n'est pas allé directement prendre l'équipe de France. On l'a vu à Monaco, on l'a même vu à l'Olympique de Marseille. Il a aligné 13 défaites consécutives. C'est-à-dire, c'est dans la douleur qu'on se ferme. C'est dans les échecs qu'on se remet en question et qu'on comprend ce qui ne va pas, qu'on reprend justement d'autres modules. C'est comme ça que Didier Deschamps, finalement, arrive, étant déjà outillé. Et il peut donc prendre l'équipe de France. Contrairement à Platini. Platini a joué, pourquoi? Parce que tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, tout le monde ceci et cela. Mais qu'est-ce que ça donnait? Rien. Regardez Zinedine Zidane. Mais le président du Real Madrid, Perez, lui a dit, tu es une légende du club. À l'instar de Xabi Alonso ou encore... Il a dit, toi, tu pars d'abord à la réserve. Zinedine Zidane a entraîné la réserve du Real Madrid, où il a connu des échecs. Puis il a commencé à prendre la main. Il est donc devenu l'adjoint de Carlo Ancelotti. C'est à partir de là que finalement, Zinedine Zidane, qui voyait déjà Carlo Ancelotti travailler et qui travaillait avec Carlo Ancelotti, pouvait donc prendre l'équipe première. Mais tout le monde a quand même vu Rigobert Song avec l'équipe de U23. Ça n'a pas été un succès. On peut bien commencer avec une équipe du championnat pour se donner la main. Ou bien on devient adjoint. Parce qu'il ne faut pas jeter des gens comme Rigobert Song. Il ne faut pas jeter nos icônes. Il ne faut pas les brûler. Mais imaginez un seul instant, si le Cameroun est éliminé au premier tour, on n'aura pas rendu service à Rigobert Song. On aurait grillé sa carrière. Parce que nulle part il ne rebondira. Nulle part. Vous savez, j'ai beaucoup défendu Rigobert Song. Moi, je le défends encore. Parce que ce n'est pas de sa faute. Déjà, même la pression qu'il a actuellement, pour quelqu'un qui a quand même eu un AVC, il fallait déjà y réfléchir avec la pression des Camerounais. Mais attendez, comment est-ce qu'il pouvait se retrouver numéro un directement et surtout ne pas avoir un adjoint qui a déjà lui-même aussi fait des preuves, qui a démontré qu'il a collaboré avec des grands. S'il a échoué aux côtés de Claude Leroy, c'est aux côtés de Rigobert Song, apprenti.
qui va venir réussir. Si lui-même il a échoué comme numéro 1, sur le côté de Rigobertson, qui viendra faire quoi? Regardez. C'est pour ça qu'il dit que le problème n'est pas de fusiller son. Le problème est de regarder le staff autour de lui. On ne peut pas prendre un Français, lui également, qui a quand même une certaine expérience, et on ne se demande pas, mais quels sont ses résultats? Comment se fait la mise en place tactique? Il faut savoir que aujourd'hui, l'équipe des Lions est notable, ce n'est plus avec des grands noms. Ne nous trompons pas. Dites-moi, citez-moi, c'est-à-dire que quand vous enlevez Onana qui joue à Manchester United, vous enlevez peut-être Aboubakar Vincent qu'on a déjà vu à l'œuvre là. Mais dites-moi, vous avez Carlotto Kouekambi. Mais Carlotto Kouekambi joue déjà comme Ekambi brillant. C'est-à-dire qu'il met les pieds comme ça, imagine, oh, Shonamuna, oh, Shonamuna. Après, tu vois, il tombe comme un légume. Pourquoi tu fais quoi? Oui, vous allez peut-être me dire que oui, bon, nous avons un très très bon attaquant là, Brian Bemo à Brentford. Mais ça ne peut plus être les Mbouma, ça ne peut plus être l'Ndjita qui jouait dans des grands clubs, c'est-à-dire que tu le voyais jouer même au Real Madrid. Ça ne peut pas être les Eto'o qui étaient au FC Barcelone, ça ne peut pas être les Womelin, ça ne peut pas être... Mais attendez! Les joueurs que nous avons maintenant, mais regardez notre défense. On dit qu'on joue bloc bas et après finalement il y a des boulevards un peu partout. On ne sait pas coulisser, on ne sait pas. C'est terrible. Donc moi aujourd'hui, tout ce que je vais dire par rapport à ceux qui demandent le débat de Rigobertson, je dis tout simplement que Rigobertson a été nommé peut-être comme sapeur-pompier. Il a joué ce rôle de sapeur-pompier. Mais pour reconstruire une équipe, il faut du temps. Et lui-même aussi doit être bien assisté. Parce que il a brûlé les étapes. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent être là dans les U23, UCC et tout et tout et tout. Mais si vous avez réussi à faire qu'il aille donc devant, donnez-lui maintenant des moyens et le temps. On ne peut pas demander à Rigobertson de faire les miracles là. Ce n'est pas possible. Soit vous lui donnez le temps, comme on a donné à Aliou Cissé. Aliou Cissé a eu le temps de construire quelque chose. Sinon, alors, vous allez faire comme tout le temps. Allez, tel entraîneur vient, vous bottez les fesses. L'autre vient, vous bottez les fesses. Tel autre vient, vous bottez les fesses et tout, et tout, et tout. Même les films que tu faisais, quand je vous bottais les fesses. Même le chance, vous bottez les fesses. Tel autre, vous bottez les fesses. Mais finalement, parce qu'on veut les résultats immédiats. C'est pour ça que je crois que par rapport à cette crise qui se passe actuellement avec les Lions indomptables, et par rapport à la CAN, c'est urgent qu'on puisse retrouver d'abord un bloc défensif. Qu'on trouve des gens qui étaient comme Rigobertson quand il jouait avec Kalam Kongo. Un jour, on ne pouvait pas passer. Mais pas comme le type qui venait faire le catch là. On ne sait même pas où il joue, à New York, où il joue en deuxième division, où il joue en troisième division. Mais une balle arrive, il n'y a aucun danger. Tu prends, boum, tu fais ce qu'on appelle le messing. Mais même Messing ne jouait pas comme ça. Vous prenez quelqu'un au lieu de sauter. Ou Gonzalez ou Gonkwakwa là. Vous ne devez pas inviter des gens comme ça. C'est indigne de l'équipe du Cameroun. On ne sait pas comment il fait pour se retrouver là. Défenseur central, celui-là. Mais ce n'est pas possible. Quand on a connu les Aoud Ibrahim, même les Koundé, même le Nanelundo,
Ah, non. Doubeléa. Et on se retrouve avec ces gens-ci. Cependant, cela demande aussi que nous devons avoir une bonne direction technique. Et la direction technique permet déjà de déceler aussi les talents. Or, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Est-ce qu'on a une vraie direction technique? Je vous ai dit que celui qui a signé le diplôme de Rigobert Song était un Camerounais qui travaille à la Fédération française de football en tant que lui-même directeur technique à la Ligue. À la Ligue de Paris. C'est-à-dire à sa charge, en ce qui concerne Val-de-Marne, c'est lui qui coiffe. Je vous ai dit, il s'appelle Hervé Appy. C'est un Camerounais, il a 56 ans. 186 clubs sous sa boule. Plus de 38 000 licenciés. C'est lui qui forme les entraîneurs, les sélectionneurs. C'est-à-dire qu'il était le professeur de Rigobert Song. C'est lui qui était dans le jury. Et voilà quelqu'un qui a proposé son projet de venir aider le Cameroun. On ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris, il est là à Paris. Je vous dis qu'il s'appelle Hervé Appy. Vous partez plein de gens qui n'ont pas ceci et cela. Je dis, mais vous pouvez croire que quelqu'un peut travailler avec la Fédération française de football, former les entraîneurs. Et il dit qu'il veut travailler avec le Cameroun. Vous ne voulez pas de lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a détecté Bokele, que vous voyez là à Bordeaux? Parce que lui, il avait organisé ici en France ce qu'on appelle une compétition des U23, des binationaux. On aurait pu détecter les Camerounais là. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre. Parce qu'aujourd'hui, les grandes puissances, dès qu'on voit un gamin bien bougé, on le prend. Vous allez seulement prendre ceux-là qui ne valent rien, qui ont été rejetés. Si on prenait celui-là, puisque tout le monde va dans des académies ici, c'est lui qui envoie les gens, par exemple, à Clairefontaine. Pourquoi vous ne le prenez pas? Toujours le favoritisme. Toujours ceci, les petits trucs de copains. Je vous ai dit, ce monsieur-là, mais moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'il était Camerounais. Je vous ai dit qu'il est de Bana. C'est vrai qu'il est un peu, quand on le voit là, il est un peu métissé, il est métisse, je crois. Mais c'est un cerveau. Il peut nous permettre de détecter, regardez, comment est-ce qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on a perdu les Mbappé, c'est pour ça qu'on perd tous les grands joueurs. Puis vous arrivez, quand ils ont déjà les 19, il faut les détecter à 13, 15 ans. Et qui peut le faire? Vous prenez donc un monsieur comme ça, vous le mettez comme directeur technique. À partir de là, un monsieur comme Rigobert Song est beaucoup plus à l'aise que de venir tout simplement avec quelqu'un qui vient couvrir avec une licence UEFA Pro, mais qui ne sert à rien, qui prend de l'argent. Vous avez déjà vu l'adjoint de Rigobert faire comme les autres adjoints font. Le gars est là assis sur son banc. J'attends mon argent. Jouez tout ce que vous voulez là-bas. Moi, j'attends mon argent. Moi, quoi dedans? Moi, je suis un chercheur d'argent. Moi, fais même quoi là-bas? Aka, même si on marque le but, il est là. Et il est tenu sur comment? Il fait même des gestes que tu ne comprends pas. Et l'autre lui croise les bras. Même quand c'est l'heure de jeu où on fait le coaching, vous ne voyez pas le banc des lions bouger. Ou bien dire que voilà, tel, comme les autres font. Hein.
là, ils s'attendent. Nous attendons notre argent. Fais tout ce que tu veux là-bas devant. Nous, on n'est pas dedans. Bref, les lions et Rigobert sont vraiment en danger. Qu'on ne vous flatte pas, qu'on ne vous dise pas que soyez confiants. On avait été confiants, on nous a dit que le Cameroun allait remporter la Coupe du Monde. On allait jusqu'où? Éliminons au premier tour. Des mots, des rêves, des illusions qui se transforment en désillusions. Le ballon rond, c'est une science qui demande préparation et non improvisation. Maintenant, je vais passer sur un autre sujet, un peu plus Oli Guinguema. Il était annoncé au Cameroun le 16 octobre. Et on nous a même fait comprendre que le directeur du cabinet civil, en la personne de Vonda Yolo, était déjà en action pour finaliser cette visite d'État. On nous a dit également que le directeur du protocole, Bukele, était ou faisait partie de l'opération. On nous a dit que tout était déjà bien réglé du côté du ministère des Affaires étrangères et que, enfin, il devait venir voir Paul Biya, son père. Grande a été notre surprise de voir que le chef d'État, ou plutôt le président de la transition au Gabon s'est plutôt retrouvé chez un autre Paul. Paul Kagame au Rwanda. Vous vous rendez compte? Au Rwanda. Le Cameroun, c'est à côté. Et le général Oli Guinguema a filé vers le Rwanda. Le Rwanda, à vol d'avion, c'est 2000 km, plus de 2300. En voiture ou en route, c'est 3960 km, donc 4000. Mais c'est là-bas où il est parti. Pour non seulement voir Paul Kagame, mais signer également certains accords avec le Rwanda. Avant cette visite, on se rappelle que juste après avoir renversé Ali Bongo, Oli Guinguema s'était déjà retrouvé le 19 septembre en Guinée équatoriale chez le président Obiang Nguema Mbazogo. Le discours qu'il avait prononcé là-bas montrait déjà qu'il considérait et respectait beaucoup le chef d'État équato-guinéen, qu'il avait d'ailleurs qualifié d'être le doyen des chefs d'État. Et pourtant, on nous a toujours dit que Paul Biya était le doyen des chefs d'État de l'Afrique centrale, voire de toute l'Afrique, au regard de son âge, au regard de toutes les relations et de tout ce qu'on peut considérer vis-à-vis de lui, et surtout. Après cela,
On se disait que certainement il viendra au Cameroun. Mais avant cela, on avait déjà vu Touadéra, Bangala en colère, passer. Et puis on avait vu même aussi le jeune Mahamat, Idriss Déby. Puis il allait au Congo, chez Sassou Nguesso, le 1er octobre, où il était presque dans son village. Il a été accueilli partout avec les honneurs d'un chef d'État. Cela veut dire quoi? Que non seulement la CEMAC, la CEAC, ou encore tous ceux-là qu'il est en train de rencontrer le considèrent comme un chef d'État, contrairement à Paul Biya, puisque Paul Biya était le premier président à condamner le coup d'État au Gabon. Juste après que Ali Bongo ait été renversé, eh bien, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, René Sadi, avait publié un communiqué le lendemain disant que le Cameroun condamne fermement le coup d'État qui est anticonstitutionnel et le Cameroun, presque comme un ultimatum, demandait le retour à l'ordre constitutionnel. Le Cameroun, souvent considéré comme un pays non aligné, avait donc pris les devants et avait d'ailleurs poussé Touadéra à faire un communiqué relatif ou bien engendrant la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour dire exactement dans les mêmes termes que Paul Biya que, eh bien, oh là là, que justement, on condamnait ce coup d'État-là. Problème, ceux-là qui ont condamné, enfin, Paul Biya ayant condamné, les autres qui sont maintenant au niveau de l'Afrique centrale et même ailleurs, eux, ils se sont retournés. Et ils ont commencé plutôt à parler très bien avec celui qu'on qualifiait comme putschiste au Cameroun. Ils ont commencé à le recevoir avec le tapis rouge. Et ils ont commencé à l'embrasser. Ils ont commencé à signer des accords avec lui. Bref, c'est le Cameroun qui se retrouve presque isolé dans cette affaire. Puisque même s'il va arriver en dernière position au Cameroun, eh bien, il aura déjà presque tout mis en place et son pouvoir aura été réconforté. Ce qui est surtout là, c'est que le général Oligui Nguema, lui également, sait très bien que le régime Biya avait rapidement ouvert une enquête contre lui et qu'on l'a même accusé que lui-même, il pouvait monter, déstabiliser le Cameroun, puisque on a constaté, au regard des écoutes téléphoniques, qu'il était en communication avec certains officiers de l'armée camerounaise. Immédiatement d'ailleurs, Paul Biya avait dû faire un mouvement dans l'armée parce qu'il avait peur que ce qui s'est passé au Gabon ou qui s'était déjà passé au Niger ne vienne à se répliquer auprès de lui. Oligui Nguema n'est donc pas pour lui un homme de confiance. Oligui Nguema plutôt est un homme de menace, d'autant plus que Oligui Nguema lui-même fait partie du clan qu'on peut appeler les Fang ou alors les Ekambeti. Et d'ailleurs, il a beaucoup de racines au Cameroun. Et du coup, le gouvernement camerounais, par hypocrisie, a commencé presque à le mettre de côté, à le soupçonner et surtout à voir s'il y a même possibilité de faire qu'il soit rapidement déstabilisé. Paul Biya a toujours considéré Ali Bongo comme son fils. D'ailleurs, c'est lui qui avait envoyé le bir pour l'installer en 2009. C'est lui qui avait encore envoyé le bir pour aller sécuriser Libreville en 2016. Donc, pour lui, pour Oligui Nguema, ce n'est pas une très bonne chose que de venir s'amouracher avec Paul Biya. Mais cependant, on peut quand même dire qu'il pourra arriver au Cameroun. Après avoir rencontré Kagame, Oligui Nguema pourra venir au Cameroun. Mais cependant, il ne pourra pas avoir les mêmes relations avec le Cameroun comme Ali Bongo avait.
Déjà, il faut savoir que le Gabon cherche maintenant à se détacher de ce qu'on peut appeler la dépendance alimentaire. Que ce soit aujourd'hui avec les pays voisins ou encore avec même le Rwanda, eh bien, le Gabon est prêt à signer des accords pour qu'on vienne installer des usines de montage de certains outils, de certains appareils de l'agriculture pour augmenter le secteur agricole. Le Gabon a l'intention de faire augmenter sa production de manioc à 276 000 tonnes de plus. Le Gabon a l'intention aussi de ne plus dépendre du Cameroun en ce qui concerne des choses comme les oignons, des choses comme des tomates, et voudrait donc faire une large agriculture. Ces informations, et surtout, cela viendra aussi du fait que le Gabon va collaborer avec le Rwanda sur le plan de l'agriculture. Le Gabon également est en train de tout faire pour que, au niveau de la volaille, par exemple, 35 000 tonnes de poulet seront maintenant, enfin, c'est l'objectif du gouvernement pour que le Gabon ne puisse plus dépendre du Cameroun. Le Gabon donc a une politique qui vise absolument à couper ce qu'on peut appeler le cordon ombilical vital qui le lie au Cameroun. Quel que soit le cas, parce que le Gabon est conscient que rien que avec ce qu'on peut appeler l'importation de nourriture, le Gabon dépense 555 milliards. Or, le Gabon a des terres qui sont d'ailleurs fertiles. Et maintenant, Oligui Nguema, qui est venu avec un nouveau souffle, a compris que, première des choses, bam, il faut développer l'école, deuxième des choses, l'agriculture, et puis couper absolument la dépendance avec le Cameroun. Pendant ce temps, bien évidemment, parce qu'il faut aussi savoir que Oligui Nguema voit aussi, et sait très bien que Chantal Biya est une amie intime à Sylvia Bongo. Donc, il sait que venir voir Biya, ce n'est pas venir voir un père, c'est venir voir le père de l'autre. Et il ne pourrait pas dépendre de Biya, qui pourrait bien évidemment user du chantage à tout moment et faire de telle sorte que le Gabon soit asphyxié. Or, dans la nouvelle politique plutôt, c'est le Cameroun plutôt qui inquiète. Vous vous rendez compte? Le Cameroun est actuellement en train d'aller mendier du riz. Et avant de mendier du riz, le Cameroun dépend maintenant du Gabon en ce qui concerne l'huile de palme. C'est le Gabon qui commandait de l'huile de palme au Cameroun. Maintenant, le Cameroun importe 100 000 tonnes d'huile de palme par an au Gabon. Le Cameroun importe maintenant des denrées qui dépassent 5 milliards des denrées alimentaires du Gabon. Qui l'eût cru? Tous les Camerounais savaient que du temps d'Ayé Dio et même pendant longtemps, les planteurs, tout venait du Cameroun. Aujourd'hui, on vous dit que le Cameroun importe l'huile du Gabon. Et le Cameroun bientôt va importer le manioc du Gabon. Le Cameroun va importer le riz du Gabon. Le Cameroun va importer le poisson du Gabon. Ne riez pas. Ne dites pas que je suis en train de délirer. Mais c'est une réalité. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que le Cameroun actuellement est en train de se féliciter que oui, nous allons demander, nous sommes partis supplier du riz à l'Inde. L'Inde doit fournir au Cameroun 190 000 tonnes de riz pour 4 mois. Et le ministre du Commerce est content de l'annoncer. Chaque année,
Le Cameroun perd, importe le riz pour 250 milliards. Le riz du Cameroun est cultivé par les Chinois. Et il part en Chine. Et le gouvernement camerounais nous annonce que à la fin de l'année, vous n'aurez pas de problème de riz. Ça viendra de l'Inde. De l'Inde. Pourtant, le Cameroun a pris de l'argent. Le Cameroun a pris des crédits pour faire la sémerie. Le Cameroun devrait donner du riz au monde entier. Ah, pas au monde entier, mais tout au moins à l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, le gouvernement est content de nous annoncer qu'on est en train maintenant d'aller mendier le riz indien. Je vais vous montrer une vidéo avant de continuer. Pour vous, pour que vous vous rendiez compte de la méchanceté de ce régime. Ça concerne l'usine de riz qui avait été programmée, financée par la Banque mondiale et que le régime Biya a abandonné. Tout a été pillé. Regardez. C'est qui habité? Zurich vécu, Kinshasa vécu aussi, ouais. Londres? Je retourne y vivre la semaine prochaine. Non, j'ai vraiment vécu partout, quoi. C'était chambé. Home sweet home. Des pistolets complètement dingues. Extract Insanity, Mad Megabarrel, Berserker, Manic et le Motorized Rage Fire. Laissez libre cours à votre rage. Non, j'ai vraiment vécu partout, quoi. C'était chambé. Home sweet home. Et je vous disais donc, avant que la vidéo ne vienne, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un pays où vous abandonnez une usine qui a été construite, qui a été équipée. Vous apercevez, nous sommes à la l'usine de Sanchou. Ici, vous apercevez les bureaux du personnel, tout loin au fond, vous pouvez apercevoir le logement qui a été construit pour héberger les employés. Juste là devant, les stations de pompage pour carburant, essence et gazoil. On continue et on va directement à l'usine. Ça, c'est la soderie. C'est une structure créée par Idio qui avait le potentiel de permettre au Cameroun d'avoir une autosuffisance alimentaire pour la consommation du riz. Ouais. Aujourd'hui, le Cameroun importe, la soderie est fermée, la sèmerie est incapable de distribuer le riz padi, et le Cameroun se retrouve à importer pour près de 200 milliards de riz chaque année. 250 milliards. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que tous les responsables en charge de notre économie, tous ceux qui peuvent décider de la relance de la production de riz, sont, nous avons parmi des sénateurs, sénateurs et des responsables du Conseil de sécurité des conseils. Vous apercevez là le fond bascule. Le fond bascule de la Sénégalie. J'ai parlé tout à l'heure du Conseil économique et social qui est l'organe qui, en principe, devrait émettre des réflexions sur la sécurité alimentaire et la stabilité sur le plan social. Mais paradoxalement, le vice-président du Conseil économique et social est un des plus gros importateurs de riz au Cameroun. Vous comprenez pourquoi il ne doit pas se soucier de tout ce qui peut être scandale de riz et faire une étude des structures de production. Voici le bâtiment de la Sénégalie. Nous allons essayer de voir si on peut avoir une image de l'intérieur. Vous allez voir l'intérieur. Tout ça, Aïe, tu as construit. Pour le bien.
Paul Biya. Nous sommes attendus. Paul Biya. Paul Biya. Tout s'est abandonné. Paul Biya. Paul Nullard. Seigneur. Ici, c'est le locaux de la Seigneurie. Ces locaux ont été vidés. Une bonne partie d'appareil. Mais pour pouvoir percevoir les tubines. La vétusté des installations. Ici, nous sommes à Sanctuaire. Hein? Bienvenue à la Sodéré. Et ils dansent. Ils dansent qu'on prend maintenant du riz en Inde. Et ça revient à combien? Regardez, les gens meurent de faim au Cameroun, un pays autosuffisant alimentaire. Mais c'est incroyable. Tout a été fait. Tout fonctionnait. Mais le maudit type là est venu pour détruire. Voilà. Nous voilà avec les machines, les tracteurs. Vous connaissez cette histoire là? Paul Biya avec les tracteurs. Est-ce que vous connaissez? Regardez. Ces tracteurs qui sont en brousse, vous savez combien ça a coûté au Cameroun? Les tracteurs, si, c'est l'Inde, là où Paul Biya va maintenant mendier du riz. C'est l'Inde qui a donné, le Cameroun est parti prêter combien? 18 milliards 875 millions pour ces tracteurs. Ici, nous sommes en 2009. C'est là où ces tracteurs sont arrivés. Est-ce que vous savez le nombre de tracteurs qui en brousse, qui devaient relever l'agriculture du Cameroun? 667 tracteurs. 667 tracteurs abandonnés en brousse. Pourtant, Exim Bank de l'Inde avait signé des conventions avec le Cameroun pour l'autosuffisance alimentaire. Que bon, écoutez, au lieu que vous importiez du riz, voici les motoculteurs, voilà les tracteurs que vous devez donner aux agriculteurs. Entre-temps, il faut vous rappeler que nous sommes en 2006. Là, ce n'est pas un prêt. L'Inde propose au Cameroun que maintenant nous vous donnons 60 tracteurs d'abord gratuits pour distribuer aux agriculteurs. Et puis nous viendrons par la suite construire une usine de montage. Les tracteurs arrivent au Cameroun. Qu'est-ce que les ministres du gouvernement font? Ils commencent à dire que on ne peut pas dédouaner, vous comptez des douanes. La douane, c'est pour l'État. Mais ils demandent les frais de douane. Et ils disent que si un planteur veut dédouaner, si un planteur veut le tracteur, il donne 2 millions et demi pour le dédouanement. Les milliers de planteurs sont allés verser 2 millions et demi, n'ont jamais vu le tracteur. Sur 60 tracteurs, 52 ont été détournés est livré à des ministres de Paul Biya. Donc, Grégoire Ouna a pris le tracteur. Le ministre actuel du commerce, qui est content de venir nous donner du riz, c'est-à-dire de revenir vendre du riz, lui m'a voir à Tanambata. Je dis bien lui.
Et il a détourné deux tracteurs. Deux. Lorsque l'affaire a éclaté, comme d'habitude, Paul Biya a dit, c'est grave, allez, on va faire une enquête. Il a lancé, soi-disant, ce qu'il appelle souvent là, la CONAC. Après, il crée une commission. Il dit, lancez les enquêtes. Les enquêtes ont commencé en 2009. Nous sommes en 2023, les enquêtes ne sont pas finies. Le dossier est classé. 60 tracteurs portés disparus. Et voici les autres qui sont arrivés. Parce que Paul Biya voulait se faire élire en 2011. Lui-même, il fait le discours le 17 janvier 2011. Nous sommes au comice agro-pastoral de Bolova, dans son propre village. Il dit, un pays ne peut pas vivre s'il n'est pas autosuffisant alimentaire. Donc notre priorité, c'est de faire que l'agriculture soit mécanisée. Je demande au ministre de l'économie, et vous connaissez qui était le ministre de l'économie, lui Paul Motazé, de prendre toutes les dispositions pour que dans les 6 mois, l'usine de montage des tracteurs soit opérationnelle. Ça, c'est Paul Biya, le 17 janvier 2011. Les Indiens sont arrivés. Ils sont restés là pour attendre au gouvernement camerounais bloqué. Vous voyez, les tracteurs qui devaient être même dans un hangar. Les tracteurs ont été mis dehors. Les gens ont commencé à dépiécer les pièces pour les vendre à Yaoundé. Alors qu'on nous disait que ces tracteurs devaient nous permettre de produire du riz, du manioc, du maïs. Au village de Paul Biya, je devais vous rappeler que Aïdjo organisait le comice agro-pastoral tous les 2 ans. Paul Biya a attendu 27 ans pour organiser un seul comice agro-pastoral. Voilà pourquoi, vous voyez, vous arrivez au marché, vous ne pouvez plus acheter un plantain. Vous ne pouvez plus acheter un manioc. Et les Gabonais ont compris que Paul Biya veut seulement vendre, enfin, les cultivateurs camerounais qui ne bénéficient pas de l'agriculture mécanisée, ils courent vers le Gabon pour livrer la nourriture. Le Gabon, maintenant, lui est en train de miser sur la construction des usines que Paul Biya est incapable de construire. Puisque l'usine a été abandonnée, les Indiens se sont fâchés, ils sont rentrés chez eux. Et le même gouvernement, Luc Magloire, Atamna Marga, c'est lui qui repart signer que nous mendions du riz. Nous voulons 190 000 tonnes. Et ils se félicitent, ils disent que vraiment, le Cameroun a fait fort. Hein? Nous sommes le pays qui a obtenu le plus que les autres. Hein? On lui dit, vous êtes devant qui? Nous sommes devant les Philippines. Les Philippines manquent de riz. Les Philippines ont obtenu 290 000 tonnes. Nous, on a obtenu 190 000 tonnes. Un pays qui peut produire du riz jusqu'à offrir ça à la France. Jusqu'à donner des cadeaux à l'Allemagne. Jusqu'à même nourrir les Indiens qui eux-mêmes sont nombreux là. On vient danser. Parce que Paul Biya, c'est de la méchanceté. Vous ne pouvez pas affamer votre peuple. Et les gars continuent à danser parce que lorsqu'il y aura élection, on viendra là avec un morceau de poisson, on va donner. Vous avez vu la sèmerie. Vous avez vu l'usine de Paul Biya. Dans son village, il est parti s'asseoir sur le tracteur. C'est l'affiche là qu'on avait mis sur la campagne. Photo de campagne. Un président. Beaucoup vont dire que c'est moi qui mens. Je suis le plus grand menteur. Oh, on a dit que... Oh, bah, voilà ce qui les intéresse. Vous arrivez au marché. Vous ne pouvez plus acheter du riz. L'huile que vous avez...
Ça vient du Gabon, alors que vous disiez que les Gabonais sont paresseux. Vous avez déjà vu. Voilà les Camerounais qui vendent du citron là-bas en route. On est en train de les chasser. Les Camerounais sont déjà éparpillés à travers le monde. Il n'y a plus rien à manger. Le poisson, il n'y a plus. Vous ne pouvez plus toucher. Le couscous, vous n'avez plus. Même l'eau. Il n'y a plus rien. Paul Biya vous a réduit. C'est-à-dire que vous allez voir les Camerounais mendier. D'ailleurs, ils le font déjà en Guinée équatoriale. Ils vont là-bas au Gabon. Ils vont partout. Partout, partout. Vous allez même les voir repartir bientôt au Tchad. Parce que même le Tchad, là, risque bientôt de dépasser le Cameroun. Puisque nous, qu'est-ce qu'on produit encore? Vous vous rendez compte qu'on a importé la nourriture au Cameroun pour 3 000 milliards? Eric, plus la moitié d'un budget, plus de la moitié du budget d'un pays. Vous importez la nourriture. La farine, on importe. Alors qu'on aurait bien pu écraser notre manioc. On aurait pu écraser notre maïs. Paul Biya, c'est un zéro. C'est un zéro. Rond, rond. J'ai dit rond, allez lui dire. J'ai dit rond. Le père là, c'est un fainéant à jamais. C'est un méchant. Pendant ce temps, ils sont en train de calculer. À la fin de l'année là, ils vont sortir 2 milliards avec mon Mongoulouba. Ils vont sortir, ils sont en train de se préparer, aller acheter le champagne en France pour 2 milliards. Et vous mangez quoi? Qui peut encore au Cameroun manger 3 repas? Si ce n'est un grand voleur. Un pays qui n'a pas d'autosuffisance alimentaire, alors qu'il y avait les milieux vivres, il y avait le crédit agricole. Pardon, laissez-moi là-bas, moi j'ai déjà même faim. La nourriture est là-bas. Hé hey! Mais mon ventre là. Mon ventre gonfle déjà comme mon dosier. C'est la nourriture que vous voulez voir. Oh! Ouais, c'est que là, les gens comme les gars, il est maigre comme ça là. Vous croyez que lui-même est ici voit le bien? Hein? Vous croyez que les gars, ils sont centrés là-bas qui voient le bien? Non! Le gars, il est que les types, il est là, c'est comme le hara. Vous croyez que quoi? La nourriture est dure au Cameroun. Regardez mon ventre. Ça c'est là. Hé hé hé. Tambour. Aïe aïe aïe. Je mange du riz ici, je jette. Le poulet, je jette. Le pain, ceci, je jette. Les gars, vous êtes là, je vais vous donner un poisson. Un poisson. Un poisson pour une élection. Avec un kilo de riz. Un kilo de riz. Et vous commencez à dire, Paul Biya, ayop, 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 ayop. Ok? Pendant ce temps, c'est mon ventre qui ne fait que faim. Ayop, ayop, ayop. Le ventre que j'ai pour. Ayop, ayop. Quand j'étais au carreau, on m'appelait le kilo du micro. Hey, c'est la souffrance que tu voulais voir. Mon pantalon, je mettais deux ceintures. J'attache d'abord la première ceinture qui va d'abord jusqu'aux os là-bas. Je prends les bretelles, j'accroche ici. Que ça ne doit pas tomber. Et tout. Mais non! La première chose, donner du pain au peuple. Donner la nourriture au peuple. Même Jésus-Christ. Le premier miracle de Canaan, c'était transformer de l'eau en vin et surtout multiplier le poisson, multiplier du pain. Paul Biya a plutôt séché. Tout. Plus de poisson, plus de pain, plus de riz, plus de manioc. Vive le pays de la faim. Et c'est pour ça que Oligui Nguema s'en fout complètement de ce Cameroun qui n'a plus rien à manger et qui mendie déjà de l'huile au Gabon.
pas de grand homme en dessous de la ceinture. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Cicéron qui avait avancé cela. Aussi, bien qu'ayant des gros galons, bien que se montrant très fort avec de gros muscles, un général, ministre de la Défense, plus le secrétaire général du gouvernement du Tchad, ont rendu le tablier. Une démission suite aux vidéos sextape qui ont été diffusées à travers les réseaux sociaux et particulièrement TikTok. L'affaire ne s'arrête pas au Tchad. Le Cameroun est aussi impliqué parce que ceux-là même qui sont cités dans cette scabreuse affaire ont aussi un réseau au Cameroun. Je voudrais juste prendre, pour que je ne me trompe pas de leur nom, certaines personnalités qui se sont remarquées dans cette sextape. Je commence par le ministre de la Défense, Daoud Yahya Brahim. Ce monsieur a été nommé en 2018 par le maréchal Idriss Déby au niveau du ministère de la Défense. À peu près, c'est un système aussi camerounais parce qu'on dit ministre délégué à la Défense, voilà, à la présidence de la République. Costaud, autant ce monsieur, cependant, depuis qu'il est arrivé, il y a des scandales sexuels qui ne font que se multiplier. Et cette fois-ci, cette vidéo où il se trouve là, c'est donc avec une jeune dame. Une jeune dame, je dis bien dame, parce qu'elle est mariée. Le secrétaire général du gouvernement, lui également, se retrouve avec une femme qui est mariée. Et les gars, ils tournent les sextapes. Ils tournent les sextapes. Vous vous rendez compte? Les deux personnages les plus importants, dès que vous enlevez le premier ministre, vous avez le ministre de la Défense. C'est-à-dire, il est là pour défendre un pays. Vous avez le secrétaire général du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on voit sur TikTok? Papa, Daouda, Daoud, comment on l'appelle? Daoud! Yahya Brahim. Le gars, il est dans une gandoura. Et il y a une femme dont le prénom est Myriam. Même comme ils ont donné un autre nom là, celle qu'on a montrée sur la photo, ce n'est pas ça. Si vous regardez la vidéo, c'est terrible. Le gars soulève sa gandoura. Maman, je ne savais pas que c'est comme ça qu'un général est dangereux au niveau des coups de rein. Aïe! C'est la guerre. Par derrière. Maman, vous avez connu le morceau de Mbanga Soko, ce qu'on appelle Esamba Afobo. Esamba Esamba, long courrier, le ministre de la Défense. Tchouk, 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 il serre le dame comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. La guerre! On demande que le gars aille. Il fait la guerre. Et le pire, c'est que ils font ça ensemble, puisque
C'est dans une des villas que lui-même loue. Parce qu'ils ont plusieurs villas. Certaines, ils achètent. D'autres, ils louent. Et ils vont avec des femmes là-bas. Et ils se font filmer. Puisque ce n'est pas la jeune femme qui l'a filmé. Il n'a fait qu'envoyer la photo à la jeune fille. Et la jeune fille, la jeune dame, se présentait ou bien elle présentait celle-là comme étant sa nièce. Donc la fille dit, tonton. Elle dit, oui, ma fille. Oui, ma fille. Et le mari cocu, lui, ne savait pas que le général est en train de danser, samba, samba, allez, hache, hache, long courrier, long courrier, long courrier, long courrier. Le gars mange le goro. Il mange les écorces. Il boit la petite Guinness, lui qui est musulman. Il reste là comme un taureau. Il sort la langue comme ça. Il transpire. Il dit, je vais te tuer. Tue-moi ce soir. Tue-moi ce soir. Comme petit pays, il chantait. Tue-moi ce soir. Ah! Monsieur le général, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Et voilà donc la vidéo qui est partie dans le téléphone de la fille. Et puisque c'est lui qui achète les iPhones pour aussi se vanter, n'est-ce pas qu'elle a passé le téléphone à une de ses amies? Le téléphone, sa copine a regardé. Elle allait bien sûr dans les... Tout. Là où il y a les vidéos et tout ça, les photos. C'est là où elle a donc vu le film pornographique Kama Sutra avec un général. Elle a donc censuré cette vidéo dans son téléphone. Elle appelle maintenant le général pour dire, bon, elle a d'abord appelé sa copine pour lui dire, donc maintenant, toi, tu sors avec seulement le ministre, le général. Hein? Bon, comme c'est comme ça, moi, je ne savais pas. Bon, je veux de l'argent, donc chantage. Le général a donc accepté de donner 15 millions de francs CFA. Mais comme c'est un bandit, il décide maintenant d'envoyer ses éléments aller arrêter la jeune femme. La jeune dame, elle avait déjà aussi trop calculé. Elle savait que le type s'y peut me piéger. Elle a donc fui. C'est comme ça qu'elle balance, elle fait balancer la vidéo sur TikTok. Ouais, mon domo. Au Cameroun, vous avez votre épisode maintenant de mon domo. On est parti prendre mon domo. Mon domo est en caleçon avec le cravat. Elle dit que exactement c'est le scénario là. Donc la jeune Mandomo du Tchad, le général a fini ça, a bousillé ça, c'est... Mais pendant ce temps, l'autre qui est secrétaire général du gouvernement, vous vous rendez compte, lui aussi il a pris une autre femme mariée. Lui il s'appelle Mahamat Ali Kishwa. Mahamat Ali Kishwa. Il a pris une autre femme mariée. Le père là est brutal. Il faut voir, il prend le sein de la femme d'autrui comme ça. Il se met à croquer comme si tu croquais le bâton de manioc. C'est comment le type sinon? Après il se met. On dirait qu'il avait tellement faim. Il va avaler le. Mais je ne sais pas s'il y a une façon. Quand on apprend à faire les machins, les rapports sexuels dans l'armée, que c'est seulement la guerre. Que c'est la guerre. Les gars là nous ont montré ce qu'on appelle faire l'amour avec la guerre. Voilà donc les deux ministres qui, lorsque le scandale éclate, tout est diffusé. Boum! Ils sont obligés de remettre leur démission. Ils sortent donc du gouvernement. C'est donc un gouvernement qui est ébranlé. Mais en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis. Parce que justement, ces gars-là, les hauts gradés du Tchad,
traversent toujours. C'est-à-dire que quand ils ont déjà fini là-bas, ils viennent même chercher. Toujours, elles ne sont que sur des femmes d'abord mariées ou des filles mineures. Ils prennent les villas à Bonanjon. D'autres partent en Égypte. Ils payent le billet d'avion. C'est donc un réseau où vous ne comprenez pas si c'est seulement l'appétit sexuel ou si c'est des rites. Comment peut-on comprendre que des hommes qui se disent musulmans, mais qui toujours sont dans les bières, dans les champagnes, dans ceci et cela, se retrouvent dans des orgies, se retrouvent dans des clubs échangistes, se retrouvent avec seulement des femmes mariées ou bien des petites filles de rien du tout. Bonanjo, au Cameroun, est donc devenu le bordel des officiers supérieurs du Tchad. Et dans tout ça, c'est eux qui, bien sûr, peuvent bénéficier de tous les passe-droits. Où se venez? Comment on peut avoir à la tête de l'armée, du ministère de la Défense, un monsieur de cette moralité? Vous comprenez donc pourquoi est-ce que l'armée tchadienne, partout où elle va, on comptabilise des viols dans une impunité incroyable. Et ce n'est pas seulement au Tchad qui le font, comme je le dis, en janvier 2021. Et il y a eu un scandale à Téra, au Niger. Parce que là-bas, ceux qui font partie du 8e bataillon de la force du G5 Sahel, mais qui est-ce qu'on avait pris là-bas? C'étaient les gens de l'armée tchadienne qui avaient violé deux femmes. Deux femmes mariées. Et devant leur mari, ils avaient des kalachnikovs. C'est-à-dire qu'ils disent au mari, tu restes là. On viole ta femme et tu dois voir, tu dois nous applaudir. Eh, Mandomo, Cameroun a fait fort. Hein. Bon, continuons d'abord au Tchad, avant de revenir sur Mandomo. Parce que là, pour Mandomo, là, Mandomo, tu as quand même fait fort. Hein. Tu as fait fort. Bon, continuons. Donc, les voilà qui, après avoir fait ça, ils ont aussi violé une petite fille de 11 ans. Une petite fille de 11 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'on les a arrêtés et qu'ils les couvraient, tout un autre général. Je vais vous donner le nom de ce général-là. C'est le général de brigade Azem Bermandoua. Le porte-parole de l'armée, c'est lui que le général Daoud Yahya Brahim avait envoyé pour aller défendre le réseau des pédophiles, des détourneurs de femmes mariées, des orgies, de tout ce qu'on peut imaginer. Vous voyez un général? Un général qui fait ailier gauche, après il prend ailier droite, après... On a vu la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement même ça, même la police au Tchad se tourise n'importe quoi. En plein commissariat, deux policiers à N'Djamena violaient les femmes. Et ils acceptent ça. Après, ils vous disent qu'ils font l'arrangement à l'amiable. Si jamais on les prend, arrangement à l'amiable. Une histoire de viol. Dans des commissariats. Dans leur bureau, alors, c'est grave. La formation militaire, je ne sais pas. C'est la même chose qu'on voit dans notre armée. Ou dès qu'une fille entre là-bas, on finit d'abord avec elle. Tu ne dois jamais refuser le chef. Donc,
c'est le viol qui est légalisé dans la formation de certains hauts gradés de l'armée. Parce qu'ils sont au pouvoir et parce qu'ils ont ton destin en main, ils t'imposent tout ce que tu... C'est-à-dire qu'ils détruisent la femme à un niveau incroyable. Et dans tout ça, c'est qu'ils se droguent. Eux tous, ils prennent le tramadol. Avant de passer là, ils ont déjà pris le goro, ils ont pris le mbitakola, ils ont pris les écorces de baba, ils ont pris le ceci et cela, ils ont pris 12 coco, petites guinness, ils ont encore ajouté le champagne, ils ont fait ceci et cela, et ils ajoutent le tramadol. C'est pour ça que vous les voyez là, ils sont en transe, ils perdent tous les sens. Les pères là. Dernièrement, on a pris. Toujours, hein, les officiers supérieurs tchadiens avaient 426 cartons de tramadol. Et ils traversaient pour même aller revendre ça en Libye. Quand on a calculé, c'était 12 milliards, l'équivalent de 12 milliards fois 100 millions. Ils ravitaillent tous les réseaux de tous ces agresseurs sexuels et consorts, ces nymphomanes et consorts. Eux-mêmes, ils sont des nymphomanes. On les a pris. Et il y avait tout un général, deux colonels et un officier supérieur des renseignements du Tchad. Personne n'a été enlevé. Personne. Ils sont restés en poste. Vous vous rendez compte? Par exemple, cette dame qui a eu ses rapports. Le mari dit qu'il va porter plainte et tout et tout et tout. Et tout. On lui dit que tant de maman encore là, tu vas voir ce qu'on va te faire. On les écarte d'abord. On les met un peu à côté. Mais pour revenir, encore traiter des femmes comme du gibier. Lorsqu'on voit ce qui se passe donc au Tchad, c'est ce que je disais que ils pénètrent dans la surface de réparation également du Cameroun. Leur gouvernement, bien évidemment, les ministres de là-bas, ils viennent aussi rencontrer les ministres du Cameroun. Ils font leur partout, ils font tout ce qu'ils veulent, ils abusent des femmes, ils abusent de tout, ils jouent, ils dépensent des milliards. Il y avait même un qui a étudié, je crois, au Cameroun. Je ne veux pas donner l'établissement parce que je suis très proche de cet établissement. Voilà. Puis il est devenu journaliste au Tchad en 97. Attends, comment on l'appelait là? On l'appelle Hassan Sila Ben Bakari. Hassan Sila, dès qu'il a été nommé ministre, première chose, l'hôtesse du ministère de l'Information, parce que lui-même, il avait fait un accident, hein. Donc il ne boite même, il ne marche même pas très bien, il marche avec la béquille. Mais le premier jour, il a appelé l'hôtesse pour lui dire, fais-moi ce que tu faisais à mes prédécesseurs. Tu dois venir me faire ça. La fille a dit, c'est comment? Fais-moi ça, fais. C'est un ordre. La fille a dû déposer la démission. Mais est-ce que il a même été limogé? Non. Il était resté là. Il a continué. Mais sauf que comme ces gars-là, ils ne savent pas que ça tourne toujours. Qu'est-ce que tu as fait aux autres demandes, tu n'es pas te faire? Vous savez ce qui lui est arrivé? Et il y a un Soudanais là qui est parti détourner sa femme là-bas à Montréal. À Mof, le Soudanais, il était chaud. Et le Soudanais, il avait l'enjeu. Mais la femme est revenue. La femme était couchée à côté du ministre comme ça. Elle ne faisait que dire que oui, oui chérie, oui chérie. Elle prononçait le nom du Soudanais. Oui, c'était beau. Oh là là, tu es merveilleux. Oh, ceci et cela. Le ministre Ben Bakari, il est tenté de regarder là, il est tenté de regarder, il est tenté de regarder. Boum! Il a attrapé l'AVC. Le ministre a attrapé l'AVC.
j'avais l'AVC. Donc c'est comme ça. Vous vous souvenez qu'il y a un colonel là, du Cameroun là, qui, alors que lui il cherchait aussi dehors, n'est-ce pas qu'on est aussi parti attraper sa... Enfin, c'est ça qu'il a dit. Hein. Il avait tiré sur quoi là? Sur un inspecteur de police. Vous connaissez cette histoire là? Il n'a pas été puni. Il a été libéré, bien au contraire, il sera même encore bientôt promu peut-être général. Donc quand il y a cette impunité, lorsqu'on laisse des hommes en tenue être au-dessus des lois, lorsque les hommes en tenue sont seulement en tenue d'Adam et Ève, le Tchad et le Cameroun sont spécialisés dans l'armée des sans-caleçons. C'est quelle qualité d'armée ça? On m'a dit qu'on connaît un homme en tenue par sa tenue camouflée, mais il ne camoufle rien. Ils sont là tous dehors, avec les sexes dehors, les sexes comme ça là, comme des armes. On vous dit tirer avec les armes. On n'a pas dit aller tirer sur les derrières des femmes. C'est comment, non? Non, on apprend quoi au Tchad comme ça? On apprend quoi dans notre armée? Ou du Cameroun aussi? Hein? On vous dit tirer, voilà la cible. On ne vous a pas dit viser les fesses des femmes. Surtout des femmes mariées. C'est quelle qualité d'armée ça? C'est quelle qualité? C'est quelle qualité de gouvernement là? Ils sont nombreux. Et ce qui est terrible, ils ont remis la démission au premier ministre. Ils ont remis. Comment on l'appelle même leur premier ministre là? Ils ont remis la démission au premier ministre. Moi, je ne parle pas. Mais je vous dis que si je vous dis que lui-même il est dans la liste, lorsque sa part va sortir, ce sera le haut niveau. C'est-à-dire, Mahamat, il risque de rester comme ça son gouvernement. Monsieur le président, tous les ministres sont gouvernement de sang caleçon. C'est gouvernement de sang caleçon. Tout ça. Le pire, c'est qu'on ne vous dit pas. Vous êtes libre de faire votre vie privée. On ne vient pas là-bas. Comment vous vous filmez? Qui vous filme? Est-ce que c'est forcé de vous filmer pendant vos ébats? Vous n'allez pas quand même dire que c'est des intrus qui arrivent dans une villa appartenant à un homme en tenue, un général, ou à des officiers supérieurs, ou à un secrétaire général du gouvernement, et il vient pour vous filmer, pour vous piéger, vous mentez. Vous faites ça parce que non seulement vous aimez faire chanter ces filles-là, vous aimez ridiculiser leur mari, vous aimez tout simplement ce que l'on appelle des insanités. Parce que votre pouvoir est tellement déjà élevé que tout est devenu dans l'armée tchadienne ou bien dans le gouvernement. Oui, tu veux obtenir quelque chose, c'est tu me donnes le sexe, je te donne ce que tu veux. Est-ce que vous vous rendez compte que cette fille, Mariam, elle a obtenu le visa, le passeport diplomatique. Eh bien, il y a une vidéo là, c'est parce que vous ne pouvez pas, je ne peux pas la remettre là. Et puis, parce que tout le monde ne va pas entendre la langue, comprendre la langue. Elle vient, elle filme le gars, monsieur le général. Elle dit, oui, il me manque le passeport là et tout et tout. Après, le gars dit, mais attends, il ne peut pas te manquer le passeport. Je suis quand même général, je suis quand même ministre de la Défense. Donc, voilà, je te fais un passeport diplomatique. Donc, vous comprenez comment sont donc les passeports diplomatiques. Comme vous avez vu aussi le passeport de l'autre, là, Ivana et son mari. Elle a pris un passeport professionnel. Diplomatique. Alors que c'est un passeport pornographique. Et quand vous voyez ce qui se passe, justement, c'est-à-dire que
non seulement au Tchad, comme je le disais, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui quand vous voyez le ministre des Finances du Cameroun. Vous voyez le ministre de la Justice, c'est-à-dire que Montazé. Vous avez Laurent Esso. Ils sont impliqués dans les sex-steps. Ils ont préféré aller et faire qu'on élimine encore le jeune Brian Fombo. Combien de ministres sont impliqués dans les sex-steps? Vous avez suivi vous-même les révélations de Bachirou qui disait que non, c'est là où les hommes là, Belinga les tenaient. Parce qu'ils avaient toute leur nudité. Et d'ailleurs, comment ça se fait? Les week-ends, ces gars-là, ils organisent des orgies. Ils choisissent une villa de quelqu'un ou bien leur villa qu'ils ont louée. Ils vont avec des femmes là-bas et aussi des hommes. Ils boivent, ils ont du vin, ils ont du champagne, le vin est travaillé avec un peu de sang et tout et tout. Après, les jeunes garçons qu'ils veulent baptiser, ils arrivent avec eux. Certains sont en bas et celui qui doit baptiser le garçon, il monte avec lui l'escalier. Quand il redescend, on applaudit. Il est déjà des nôtres. Voilà comment notre pays est dirigé par la quéquette, par le derrière. Voilà comment les jeunes garçons, les femmes mariées sont détournées par des hommes qui abusent de leur pouvoir et qui utilisent l'argent, les caisses de l'État pour pouvoir avoir de la chair fraîche par rapport à leur secte, par rapport à leur rite et en même temps par rapport à la prolifération des maladies un peu partout. Regardez-les. Tous, ou presque, qui ne font que ça. Mais à la différence avec le Tchad au moins, c'est que ceux-ci ont eu le courage de démissionner. Au Cameroun, vous avez déjà vu qui démissionnait. Voilà Laurent Esso, ministre de la Justice, il est ministre d'État, il est cité dans l'affaire Martinez-Zogo. Il est cité dans l'affaire de l'assassinat de Brian Fombo. Est-ce que vous avez vu qu'il a démissionné? Est-ce que vous avez vu qu'il a même été convoqué ou qu'il a été entendu? Non, ils sont là. Le point de Montazé a été cité. Est-ce que vous avez entendu qu'il a été convoqué? Oh, regardez au Tchad. Voilà deux ministres qui viennent quand même de démissionner. Parce qu'ils ont dit... Ils veulent préserver l'intégrité de leur poste et surtout la dignité de ce qu'on peut appeler le gouvernement. Il faut savoir au moins tirer les conséquences d'un certain nombre de choses. Lorsque vous êtes cité dans des affaires graves ou dans des affaires vraiment qui, avec des preuves, des témoignages, ils auraient pu démissionner. Regardez le premier ministre de la transition. Il n'avait même pas fait. Il avait fait 18 mois. Puis il avait démissionné. Comment on l'appelait Monsieur Parimi. Mais il avait démissionné le 11 octobre 2022. Il est parti. Regardez le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il avait démissionné en septembre. Il est parti. Au Cameroun, dès que tu es ministre, tu t'accroches. Tous les scandales te prouvent, tu t'accroches. Tu voles, tu t'accroches. Bien au contraire, on vient te décorer. C'est-à-dire que comme les gongos. Gongo dit que voilà, Paul Biya vient de me décorer que j'ai bien volé l'argent de la CAN. Il nous a aussi décoré qu'on a bien volé l'argent de... On a bien volé l'argent du Covid. Donc Paul Biya nous a vraiment... vous avez honte, non? Vous croyez que quoi? Paul Biya, lui, décore les malfaiteurs. Et des corps, les gens qui sont dans le. Qui détournent les femmes d'autrui, et des corps, les gens qui détournent les caisses de l'État, les gens qui détournent les enfants d'autrui, les garçons d'autrui. Donc c'est vraiment quand même terrible quand on essaie de voir un certain nombre de choses comme ça là. Moi j'ai dit, au moins, même si le scandale est terrible, mais au moins,
au Tchad, on connaît tirer les leçons. Et quand on est général ou quand on est ministre, on démissionne lorsque les scandales s'accumulent. C'est ça un vrai gouvernement. Ce n'est pas ce qu'on voit au Cameroun, où plus tu voles, plus tu fais des scandales, plus tu es sûr de rester longtemps au pouvoir et de continuer toujours à faire la chasse des petits gibiers. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour les dossiers noirs du samedi soir. Ce sera samedi 18h. Attention! Attention, attention, changement d'horaire. 18h à Paris, 18h au Cameroun et en Afrique centrale, 17h en Afrique de l'Ouest. Sachez qu'il y a un changement d'horaire qui arrive là. Donc, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis bonne soirée.